Bonjour, la nouvelle économique yo. Monde l'ont levé vendredi matin avec anti lumière l'espoir avec un médicament qui est le Remdesivir que agence pharmaceutique Gilead Sciences fait sortir. Université Chicago, l'hôpital Chicago, leur bail moun médicament ça qui est le Remdesivir, eh bien, ils ont constaté du moins ça. Pour nous, il y a quelques personnes qui commencent à joindre des résultats. Ils sont pas capables d'affirmer avec certitude, mais pour nous, il y a personnes qui ont coronavirus et qui prennent un médicament sacré, les Remdesivir, eh bien, ils constatent que en pile là-dedans, ils ont commencé à faire aller mieux comparativement à Jean Santé. Ça a poussé stop market là. Vendredi matin à la hausse, considérablement, surtout avec stock Gilead monté à plus passé 26%. Dow Jones, vendredi matin à 24 152 points, avec nouvelle positive sur Remdesivir, avec Gilead qui passait à 26% hausse. Le Nasdaq à 8 934 points et le S&P 500 à 2 872 points. Marché pétrolier à la baisse, baril pétrole là à 18,57 $, niveau plus bas payé depuis 18 ans. Et avec une tendance à continuer à baisser, surtout avec morosité qui gagne dans l'économie globale là. Côté la Chine dit, économie par là contractée pendant un trimestre qui s'est passé là de presque 6%, plus passé 6%. Aux États-Unis, il y a 22 millions de monde qui perdent du job yo, et pour qu'il y ait un Fonds monétaire international avec Banque mondiale qui a rencontré virtuel, mais on rencontre ça chaque année, dit que l'économie mondiale s'accumulerait les produits globaux bruts, eh bien, il pourrait baisser considérablement pour l'année 2025 qui a venu là. Dans le début année, Fonds monétaire international te dit croissance là t'es capable baisser de 2%. Kounia, Fonds monétaire international pas parler de croissance, yo surtout parler de contraction et yo éliminer dette 25 pays dont Haïti pour Kounia. Et yo mandé que économie qui pi avancée yo capable aider économie qui pi ba yo surtout économie en Afrique et pays tant qu'Haïti, parce que conséquence crise là au niveau global sur pays ça yo pral beaucoup plus fort que ça payé dans l'autre pays yo. Dans niveau marché commodité yo, l'once l'or à 1 742 dollars et puis marché cryptocurrency yon Bitcoin à 7 110 dollars pour yon Bitcoin. Dans niveau marché change yon euro à 1,08 $ et dollar par rapport à dollar canadien, enfin 1 dollar canadien 41 et par rapport à la goutte haïtienne de l'américain entre 98 gouttes de 75 à l'achat, banque a acheté dans moi à 98 gouttes de 75 et revend à 100 gouttes de 75. Majorité banque pour hier, volume de transactions, ils ont acheté 5,7 millions de dollars et ils revendent 5 millions de dollars. C'est les principales nouvelles économiques pour ce matin, Roosevelt Jean-François du réseau de l'information économique BizNews. Pas oublier, subscribe à Channel ça si vous voulez toujours régulièrement recevoir les nouvelles économiques sous inbox chaque matin.